T'es vénère quoi ce tremblement de terre là, j'ai l'impression. Ah, mais dis pas qu'il y a un truc qui va péter. Il y en a qui s'amène. Ok. Ok. On est au Japon, putain. C'est pire que le Japon ici. On a un tremblement de Terre-Land, quoi. Bon, on espère que c'est la dernière ligne droite. Du coup, j'ai bien reculé sur les gains, là. Ah, il y a trop de médecins, quand même. C'est de faire des économies. Lui c'est un chercheur, on peut le laisser. C'est un futur, on va le laisser. Est-ce que tu as réussi, non? Bah tiens, regardez, on a une épidémie pour se refaire. On a soi-disant trop d'infirmières, c'est le moment de prouver que non. Ah bon, c'est perdu. Là, on va se manger une méchante amande, à mon avis. Ouais. Voilà, elle était sévère, celle-là. Peut-être qu'avec la prime, on va terminer en décembre. Alors, ça va, là, ou pas? Check-up. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Un médecin chercheur est attendu en salle d'électrolyse. Un médecin est demandé. Tu me diras, c'est pas pour autant que le truc il va pas péter. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Une infirmière. Ah, en plus, j'ai peut-être raison, elle peut vraiment gagner pour Noël. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Parce que si je suis à 740 000... Ah bah non, je pense que j'ai eu des morts en fait. On va ralentir. Parce que là, ça va être dans la vidéo YouTube, donc du coup, il faut que mon hôpital il soit un peu propre, quoi, quand même. Je crois que c'est trop tard aussi, j'aurais dû le faire avant. Attention, suspense. Fin ou pas fin? Parce que là, j'ai assez de thunes. Hein. Là, on a eu le trophée nickel parce qu'on a la meilleure réputation. On a les boissons parce qu'on a mis plein de distributeurs de KitKat. On a de la réputation parce qu'on a plein de belles fleurs. Là, on a un gros taux de guérison. Et là, on a une meilleure réputation que les autres hôpitaux. Et les inspecteurs, ils ont dit que notre hôpital était très propre malgré tout le vomi. Et ça, c'est le bug qui dit que les machines sont pétées. Oh! Puis on va me dire qu'il me reste encore une. Très inestimable Smarties, vous êtes montré le meilleur directeur d'hôpital jamais connu dans l'histoire longue et mouvementée de la médecine. Nous sommes fiers de vous offrir le poste de chef suprême des hôpitaux. Ce titre honorifique vous garantit un salaire de 1 967 710 dollars. On fera pour vous une parade pleine de serpentins et les gens vous embrasseront les pieds. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez mérité cette semi-retraite. Ah, c'est beau. Merci. Merci public. Ah là là. Ah ouais, ah d'accord. Bon, bah au moins on se fera pas trop chier avec le générique.